Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Offer, j'espère que vous allez bien. Nous continuons Terraformers, et oui, nous avons réussi à faire la voie bleue, donc, qui était dans une difficulté plutôt raisonnable, à savoir 10 utopiques. Bon, c'est pas une petite difficulté, on a quand même un message qui me dit attention, c'est une difficulté élevée. Perso, je considère que... voilà, 11 déjà... selon la taille de l'objectif, voilà. Sur les points, bon, c'est clairement le plus facile parce que faut juste que tu te concentres sur le soutien et ton développement global et tu t'en sors. Par contre, quand on commence à taper genre sur les voies rouges, voies vertes, voies bleues, ouais, là faut ajuster en fait. C'est la même difficulté et pourtant. Que la montagne est belle. Voilà, il y a des modificateurs après qui deviennent de plus en plus difficiles. Sur voie bleue, par exemple, les échelons de terraformation, ils sont plus hard. Voilà, tout simplement. Alors qu'il y en a, c'est juste la difficulté qui est augmentée. Eh bien, je vous propose de faire Per Aspera Ad Astra. Mars n'est que le début. C'est un tremplin vers d'autres mondes qui seront un jour à notre portée. Alors l'objectif, parce qu'on va se mettre en 11, hein, vu qu'on a réussi en 10 en voie bleue, obtenir 225 points spatiaux. Pour remporter la partie, vous devez vous assurer que Mars devienne une pionnière du nouvel âge spatial. Obtenez 225 points spatiaux en finançant des projets spatiaux. Attente classique. Donc, le projet, bah, vous l'aurez compris, c'est blindé. Les projets spatiaux. Et alors, comment les points sont comptabilisés? Alors là, je ne sais pas, parce que 225 points... Est-ce que une ressource, c'est un point? Ou est-ce que deux ressources, c'est un point pour chaque projet spatial? Enfin, pour chaque projet spatial? Ça, ce n'est pas dit. Oh, nous avons eu la chance d'avoir le départ spatial en faisant Per Aspera Ad Astra, c'était... Non, c'était inespéré. Alors spatial, je crois que je l'ai fait qu'une fois. Et tu commences avec un anneau orbital. Alors projet qu'une seule fois. Alors quand tu le finis, c'est plus 3 routes commerciales, donc c'est génial. Plus 1 énergie par tour à chaque palier de 5 nouveaux projets spatiaux complétés, celui-ci inclus. Module d'habitation. Ah, et le bonus, c'est que tu as 2 routes commerciales, parce que tu n'as qu'une seule carte, donc c'est merdique. Tu as 10 d'énergie de moins que les autres. Ouais, encore qu'il est équilibré, donc ça fait mal. Nourriture, t'es un peu au-dessus. Titan 5 comme les plus bas. Tu commences avec du tritium pour faire anneau orbital. Bon, bah... Un peu obligé de partir sur le spatial. Et on va tout de suite s'y mettre. Donc quand ils disent 225 points spatiaux. Ils disent pas la valeur du chantier. Alors, on a tritium et silicate autour de nous. C'est très important. Hein, sécurité, boost d'eau ou les bâtiments régionaux coûtent moins cher. J'ai pas souvenir qu'il y ait masse de projets spatiaux qui coûtent de l'eau. Du coup, je vais plutôt prendre des constructions rurales. Et que la partie commence, les amis. C'est bien, ça varie un peu. D'habitude, on se tapait toujours le même build de cartes. Et mine 1, tritium, T1, direct. Direct le T1. Moi j'ai un tritium. Du mercure. Alors, problème. Hein. J'aimerais bien faire ça. Il y a d'autres zones de tritium. Ouais. En même temps, le thermogénérateur. Ouais. Vraiment la création d'énergie dès le tour 1. Je suis fan à mort. Tritium. X Mars,
Si 4 laboratoires, un autre thermogénérateur, un autre module d'habitation. Laboratoire. Il y a pas mal de. Alors, thermo, serre. La serre. Essayer de varier un petit peu les plaisirs. Caisse de ravitaillement perdu. Du titane, tiens donc, c'est pas commun. C'est soit de la bouffe, de l'énergie. Nouvelle route commerciale. En parlant d'énergie et de titane. On va. Ouais. On va accepter le moins un de soutien. Parce que si je peux prendre le titane. C'est un oui. Pareil, le silicate, on va prendre. C'est un oui. Oh, les oliennes. Oui, sauf que je suis plein. Donc ce sera un centre de divertissement, les amis. Alors, tritium. Satellite d'exploration. Plus de science pour chaque palier de 3 robots. Non, non, robots. Robots, les amis. Volcan endormi. Déjà un centre d'affectation de robots ménagers. Plus de soutien par tour pour chaque robot dans la ville. Alors l'énergie. Là ça fait chier par contre. Parce que contrairement à nos précédentes runs où j'avais accès à un centre d'exploration, là ce n'est pas le cas. Donc, ça fait chier. C'est le labo. Recherche. Obtenez deux soutiens par tour pour chaque nouvelle route commerciale créée. Ouais. Usine de terre. Produit pas de bouffe. Putain, c'est pas génial, hein. On va dire totalement merdique même. Un autre gisement de tritium ici. Voilà, projet spatial, c'est good. On va exporter silicate et importer de la bouffe. Vas-y. L'énergie, c'est la merde. Ok, plus de routes commerciales. C'est quelque chose hein, de pas avoir d'explo. Mon dieu, je peux tellement rusher. Les projets spatiaux, mais il faut absolument que j'en tire. De soutien par tour lorsque vous fondez une nouvelle ville. Augmente votre production de science de plus 1 à chaque palier de production de 6 robots. Alors ça,
Oui. Bon. Idéalement, eau nitrate. Je vois qu'il y a un gisement d'eau là déjà. Je ne vais pas commercer. Champ photovoltaïque. Oh ouais. Combien? 3 silicates. Mais attends, je suis con, je peux. Ah non, faut que j'explore absolument pour créer une nouvelle ville. Je m'estime déjà à la bourre en fait. Faut que je fasse un projet ou que je le balance. Rubis soutien, ça fait du bien. Nourriture, oh ouais, silicate. Bon, c'est juste l'énergie qui fait chier. Ça va être réglé. Alors, déinocoque, atmosphère ou atmosphère oxygène. Moins 2 température, 0, là, ce sera eux. Ça, je vais pas le prendre de suite. Cratère ici. Ouais, ça va être mieux de se construire ici. Là, c'est trop proche de Temp. Coucou, Kyuxia, c'est gentil d'être passé. Pas de soucis. À tout à l'heure. La grosse bise. Et allez, boum, champ photovoltaïque. Plus 1 d'énergie, donc. Notre souci. Alors. Tac, donc ça c'est réglé. Continuer l'exploration ici. Donc j'importe 4 eaux. Alors, je vais exporter un de chaque. Pour me donner un de bouffe supplémentaire. Plateforme d'atterrissage. Ferme de tubercules, je suis tout à fait d'accord. C'était même inespéré. Alors, on annule les routes commerciales. Est-ce que là, il y a urgence? Prochain tour, on construit dans le cratère ici. Et c'est bien parce que d'habitude on a énormément de rochers quand on fait sur notre première ville. J'ai pas de chance, enfin j'ai pas de chance. J'avais pas eu de chance durant mes runs d'il y a avant aujourd'hui. J'avais vraiment eu la poisse dans le sens où j'avais eu en première ville, j'avais décidé de faire à chaque fois dans les tubes de lave et ça m'avait foutu dans une merde noire. Hein. Tu vois, genre si je fais une usine de terre, non.
moyen de faire un truc de ouf. Déplacer le bâtiment pour nous deux tours. Oh, éolienne. Ah, oh, centre d'exploration, non. Tout ça, il me le faut. Ici. Il faudra que je fasse les robots, donc de l'énergie. D'exploration quand même, il me le faut trop. Allez, c'est quoi, je le prends. Ouais. Ici je fais plus jamais d'exploration. Ça c'est vrai qu'on l'a pas mal répété. Et ça s'était toujours bien passé. Donc oh. Ouais, l'eau, c'est la merde. Ok, donc, Titan énergie. Putain, 6. Eh oh. On va exporter de la bouffe, hein. C'est le seul truc que je produis et je vais faire économie d'énergie. Ça fait chier de gâcher un tour là-dessus, mais bon... Boutillante synthétique. Module d'habitation. 7 de nitrate. Déjà une zone avec. Avec l'usine de terre éventuellement. Ouais, faudrait que j'explore une zone avec du titane. Waouh! Ouais, y'en a même pas! Oh, on va attendre un tour de plus. Ah! Les projets spatiaux. Nous y voilà. Bon, on coupe tout ce qui est. Import-export, full construction. C'est le même, pas de titane. Waouh. Je suis assez sur le cul. J'avoue que j'étais pas prêt là. Nitrate. De toute façon, j'ai ni l'énergie, ni le titane. Ah, miroir orbito géant. Ça reste un bon projet. Anneau orbital plus 22. Ouais, c'est ça en fait. C'est une ressource égale à un point. Oh, bah ça... Oh, ça va se faire assez vite alors. Ouais, je peux le piquer là. Ouais, non, vas-y.
stun d'abord. Ah merde. Comment veux-tu que j'explore? Énergie, d'accord. Alors, tu vas me fournir 3 titanes. Ce que je veux. J'ai accès à une mine moyenne, enfin une grande, un grand gisement, pardon, de titane, mais je ne peux pas construire. Déblayer un roc donne un titane. Rendement d'énergie de plus 1 chaque palier. Chaque... Ça, c'est vraiment indispensable. Importation de tritium de mercure. C'est maintenant que je les ai. Excavation, ça j'en veux plus. 4 c'est bon. Ah, énergie titane. Oh, en plus c'est les plateformes de drone elle. Oh, c'est vrai que ça nous avait carré un truc de fou ça. Les plateformes de drone. Non en vrai je vais pas le faire là. Je vais continuer. Tarsis. Ça je vais le faire. Hop. Alors pas ce tour-ci. Attends, parce que si je fais ça, je suis à moins 16. Moins 12. Ouais. Ça va. Bon, on va bêcher pas mal de silicates. Visiblement. Si je pouvais. L'énergie aussi, on va en pomper pas mal. Merde! Silicate et. Oh ah oui! D'accord. C'est la méga dèche. Ah bah là c'est la tuile. Hein. Divertissement. Alors, fournissez plus 2 expansions pour chaque combinaison de 1 habitant et 1 robot. Alors ça, c'est ouf, mais en vrai, les expansions, c'est pas très utile au bout d'un moment. Alors, que le centre de divertissement. Petite mine de nitrate. Je n'ai plus d'énergie. Bon. Là, ça vaut le coup de faire une plateforme de drone. C'est en attendant, quoi. Parce que toute mon énergie va partir dans l'importation de tritium depuis Mercure. Aïe! Faut jamais que je m'arrête en fait sur ça. Jamais. Le problème, c'est que du coup, alors usine de terre. Pff, ici en vrai. Quand même 4 robots. C'est mon pote robot. Mon pote robot. C'est si je m'étends. Ah, j'ai accès à une autre hauteur ici. Non, en vrai, on va juste. La nitrate. Ça peut servir. Genre prochain tour. Oh les panneaux solaires. Ah c'est con si j'avais terminé ce tour-ci.
pression d'océan. Ça pompe tout, ça pomperait tout mon silicate. Je vais le virer. Ça saoule. Ça saoule trop, mais... Vraiment, les panneaux solaires... Ah, ça c'est bien, ça les recherche. Alors, on va le laisser passer. Rétro-ingénierie, 5 soutiens par tour pour chaque nouvelle technologie étudiée, celle-ci compris. Bah, rétro-ingénierie, plus de soutien. Soutien par tour, on va faire recherche appliquée. Oh, les drones de livraison. Déjà, on va activer ça, voilà. J'ai trop d'eau, ce sera bain public du coup. Plus assez d'énergie, vivement les panneaux solaires orbitaux. Bon, silicate les amis. Putain, mais il y a du silicate nulle part à explorer. C'est une blague? Non. Je peux pas faire une nouvelle ville vu que j'ai construit. Oh, l'usine de terre. On est passé à 22 sur 6. Bleh, plus 6. Ok, bon, ça c'est bon. Enfin, en fait, faut... moi je conseillerais aux gens qui commencent à. Enfin, vaut mieux se concentrer sur la diversité du minage. Peu importe ce que vous jouez. Hein. Arrangez-vous pour avoir plus 1 sur tout. Et normalement, vous pourrez tricher avec les routes commerciales pour choper ce qui vous manque. Et vous devriez arriver à faire à quelque chose de potable, entre guillemets. Attaque, c'est une mine de triture. Non, mais moi, il me faudrait silicate nitrate. Putain, mais il y a du silicate nulle part, quoi. Bon, bah, plateforme d'atterrissage. Fonctionner notre recherche. Plus de chiens. Alors, il n'y aura pas assez de ressources. On va faire foutre tritium. Mais ouais, il n'y a pas de silicate, c'est un truc de malade. Je crée pas assez d'énergie aussi. Au pire. Exporter du tritium et importer de l'énergie. Parce que la route commerciale, ça sert entre guillemets de joker pour échanger ce que t'as en trop. Donc, voilà, faut éviter de trop se concentrer sur une ou plusieurs ressources et t'échanges ce qui te manque pour ce que t'as en trop. Moi, c'est les conseils que je donnerais, genre béaba, tu sais, genre dans les 15 premières minutes de jeu, histoire de te faire un micro cours. Plus de soutien. Putain, ça part tellement vite, quoi. Canopée céleste. J'ai 5 soutiens par plante introduite. 5 par plante perdue. Je vais pas vous mentir. C'est pas une priorité. Science. Ah, soutien.
Alors c'est un bâtiment qui... Ouais, putain, ça coûte cher. Chaque habitant fournit deux soutiens par tour. Attends, parce que... Bon, clairement, il n'y a pas ici qu'il y aura du soutien. Bâtiment, bâtiment. Je peux refaire un soutien ici. Putain, 10 silicates. Eh, mais le, eh, le silicate, quoi. Sérieusement. J'en reviens pas comment... Comment il y a R, quoi. Bon, bah... Titane, tritium, ici. Je pas spécialement. La zone, elle est froide. Ah, putain, c'est un tube de lave, en plus. Merde. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Baptiste de mineur. Oh, beaucoup de l'énergie. Fabrique d'oxygène. Je vais plutôt prendre de la technologie. Ok, donc voilà, problème d'énergie va entre guillemets. Être moins dur. Technologie, il faudrait que je fasse un épandeur. Putain, faut que je fasse une nouvelle ville, absolument. Aïe aïe aïe, il va falloir tout déblayer. Je trouve que du tritium. C'est du silicate dont j'ai besoin principalement pour les projets spatiaux. C'est terrible. Mais la site de la map, elle est en ma défaveur là avec le bulle spatial. Hein. Alors, l'énergie, c'est la merde. C'est même la méga merde. Alors, où poser ma ville principale? Si je fais... Plus d'énergie par tour. Voilà. Bon, problème est pseudo réglé. Pourquoi j'ai pris la ferme? Ça me plaît pas ce que j'ai fait.
Fuck le volcan. Non, on fera fuck le volcan plus loin. Qu'est-ce que j'envoie chier, titane ou tritium? Je suis à plus 3 pour les deux. On va envoyer chier le tritium. Hein. Je pense que le titane, c'est plus quelque chose qu'on va utiliser sur le long terme. Ouais, mais en même temps, là, c'est plus sur le... Mmh. Oh, que c'est compliqué. Bon, allez. Ici, uniquement si c'est plus ouvert sur le en bas à gauche. Uniquement pour cette raison. Et puis, il y a deux traits au lieu d'un. On verra si ça paye. Pas évident, hein. Parce que... Alors, tout à droite, c'est non, parce qu'il y a le centre d'exploration. Donc, faut que j'explore en haut, quoi, en gros. En espérant choper du silicate, parce que là, c'est... C'est cossu, hein. Dirigeant. Nombre de projets proposés de 1 à chaque fois que vous vendez 15 projets. Augmentez votre nombre de routes commerciales de 1 à chaque palier de 3 déjà mis en place. Ça, c'est bien. Voilà. On met les océans. L'avenir nous dira si c'était une bonne idée. Science silicate. Pendeur à bactéries. Depuis le temps qu'on est censé les faire, mais que je les ai pas fait. C'est le genre de truc qui te fait paumer. Hein. Oxygène, moins de température. Une zone bien froide. Je vais prendre le plus proche, tant pis. C'est uniquement pour le soutien. Pas négligeable. De soutien par exemple, chaque route commerciale c'est dit, les routes liées aux mines adjacentes ne comptent pas. Est-ce qu'il y a un moyen de... casser base? En même temps c'est déjà blindé. En même temps, qu'est-ce que je peux mettre de plus ici? À part une plateforme genre robot. Gagner le bonus de protection à la radiation. On va exporter de l'eau, j'ai trop d'eau. Silicate, c'est la merde. En vrai, ça va, c'est pas si... Phobos. Route commerciale fournissent plus un soutien partout. Ok, on va commencer ça. Faire le plus proche. Le plus proche, c'est du 4 tours. Ça va se finir ce tour-ci. En vrai, 225, c'est pas... Je m'attendais à un truc beaucoup plus hard, pour être tout à fait honnête. Je dis ça, je vais me faire viander comme la dernière des merdes, ça se trouve.
feu que le tritium. Moi, j'ai du varec à déposer. C'est con, faudrait que j'arrive à poser une ville sur le... sur Borealis majeur. Mais je crois que tout a été noyé. Télescope orbital sur Phobos. Le port spatial. Ici il y a une mine. Ici ça me ferait deux mines. Hein. Enfin deux routes de mines, hein. Vraiment commerciales. Juste pour ça. Ça me va. Mais il n'y a pas de silicate. Mais l'acide elle a un problème, sérieux quoi. Si je fais ça, 6, c'est pas mal. Je perds une expansion, mais bon. Je trouve qu'elle est déjà bien étendue cette ville. Il nous reste plus un. Ouais, c'est pas... Alors, on va exporter le nitrate, ce sont là trop de nitrate, je trouve. Et on va importer, bah, pour changer, hein, du silicate, les amis. Importation d'océan. Avoir une zone constructible et tout est parti. Thermogénérateur. Je prends le thermogénérateur. Ouais. 4 4 4 5 4. Putain, chier, j'avais espoir de poser une ville ici, quoi. Ah non, c'est foutu. Ça a dû être noyé. Ouais, ça a été noyé. Ah putain. Bon, bah, ce sera le cratère ici. Il est pas très bien posé, celui-là. Hein. Bah écoute, ouais. Exportons le titane. Et vu qu'on va finir Phobopolis, on va construire le thermogénérateur là-bas. C'est pas génial, mais le bonus de... de finition est exceptionnelle. On va booster la bouffe et réexporter plus de... Non, l'eau. L'eau, j'ai 1000 fois trop de flotte. Idéalement... Ah, putain, mais, mais le silicate n'existe pas sur cette carte. J'ai un gisement de silicate. Qui est ici, c'est celui avec lequel on commence. Après, c'est fini, c'est un mythe.
C'est un putain de mythe. Ah. Ah, les algues. Ah, mais c'est vivre océanique. Si je fais une ville ici, je perds un concert, c'est que des lieux océaniques. Tant que j'ai pas de quai, je l'ai dans l'os. Bon, je vais quand même prendre la ferme d'algues parce que c'est un bâtiment que je peux chier mais dans l'immédiat. Putain, merde, moi j'avais besoin pour... Il me faudrait chantier naval. Ah, c'est improbable que j'ai... Oh là là. Alors attends, ici on a une ville, ici on a une ville. C'est improbable. Déjà une ville ici. Ouais. Merde, fais chier. J'ai monté les océans trop tôt. Après, on est quasiment fini. C'est pas très dur, hein. Comparé à des trucs de ouf comme, comme la voie verte et ce genre de magnifique mission qui te fait bien péter un boulard. Parce que si il suffit juste de blinder de blinder les projets spatiaux, en fait c'est pas très dur. Après on a eu la chance d'avoir le start projet spatial, ça c'était inespéré. Ok. Parce que si je m'étends là, je fais un quai ici, et que je m'étends là, je fais une ferme d'algues. Je peux même faire une ferme de... Une ferme... Une exploitation de gisements de nitrate, pardon. Ici, on peut éviter de voler les spots. Comme ça, le varech qui fournit un bonus de nourriture. Ah non, le varech fournit pas de bonus de nourriture en faisant ça. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va augmenter le niveau des océans de toute façon. D'ailleurs, on peut le faire assez vite. Putain, il y a du silicate ici. Oh mon dieu, j'ai dû aller à l'autre bout du monde pour trouver un putain de gisement de silicate. Et naturellement... Il est sous la flotte. J'ai trop de science et d'eau. Ici c'est plein. Ici je pourrais refaire, mais il y a des cailloux. Ici je peux faire par contre. Ça produit de la science. Pourquoi je me prierais? Prochain tour, on fait la plateforme d'atterrissage. Pingouin. On va. Tac, tout reset, très pratique ce petit bouton, j'avais oublié qu'il existait. Je l'ai cherché dans l'instantané, je fais... Putain, mais il n'y avait pas un bouton pour tout reset, parce que c'est vrai que... Tout baisser, c'est casse-couille. Hein. Si, si, très pratique. Qui va me manquer, on va perdre beaucoup de... Beaucoup de tritium, tout va partir en même. Hop.
plus 1 énergie par chaque palier de 7 points d'expansion ou de lieu océanique possédé. Rendement de nourriture. Pour les mutations génétiques. Attends, il fait quoi le centre de commerce? Oh, habitants et robots. Situation. Ah, le quai va être noyé. Aïe. Et... Ah bon, que le quai. D'accord. Très bien. Chelou, j'aurais pourtant entendu deux. Comme ça, un peu plus de soutien. Et ouais, ben bah non, on est à 179. Pas déçu, quoi. Plus de chiens. On va essayer d'équilibrer ce merdier. Putain, j'ai tellement de routes commerciales, quoi. Portation d'océan. Allez hop, projet spatial, let's go. Pas de projet là, par contre. De soutien par tour pour chaque bâtiment. L'hyperloop, c'est un peu overkill, mais j'ai rien de mieux. Alors. 20 titanes. Eh ben, mon cochon. Chercher loin. Mon silicate, je vais avoir terminé la mission avant d'avoir. J'en ai eu un point. Le bout d'OGM, thermogénérateur, un phobopolis. C'est pas dégueu. Dans les zones où il fait froid, genre moins 2, moins 1, moins 1, moins 1, moins 2. Ici, tu vois, je suis sûr de mettre que les cyanobactéries. Bon, 17 tours, hein, j'ai le temps quand même. Mais bon. Tritium. Titane, ça va bien descendre aussi. Parfait. Équilibre rétabli. Tain, c'est un échiquier vraiment d'équilibrage. Refuge communautaire rural. Moins 2 soutiens par tour pour chaque habitant dans la ville. C'est dommage que ça fasse pas d'expansion, ça. Je vais vérifier un truc. Oh ouais. Je me rappelais qu'il y avait du monde. On est quasiment bon. On est quasiment bon, les amis. Ça aurait été très agréable et plutôt rushé. Juste le silicate qui m'a un peu cassé les couilles. Sinon, on a eu beaucoup de chance sur les choix de projet et tout. C'est très agréable. Après, j'ai l'impression de ne pas avoir fait une partie, quoi, tellement elle a été rapidos.
Ok. Je peux perdre... Pff, labo, franchement, on bat les couilles. C'est quoi? Hop, gare. Moins de malus, puis comme ça, j'ai de la place pour plus tard. Ici, vas-y, fais une maison. Bactéries, des zones bien froides. Ici c'est déjà en place. Moins deux. Ah, ici il va y avoir de la flotte. Faudrait genre du plancton, parce que le plancton ça va dans l'eau. Donc ouais non, malheureusement. On va mettre les méthanogènes. Tritium. C'est bon, ça se fait en deux tours ça. Mon dieu, ce nombre de routes commerciales quoi. C'est ouf hein. Tritium. Trouvez-moi du tritium les amis. Je pense qu'on va explorer la bonne partie de la planète. Pas encore tout parce que là ça commence globalement à se rejoindre. Deux projets supplémentaires sont proposés chaque tour. Là je dis oui. Du grand astéroïde, ça compte comme un projet spatial, let's go. Alors dommage, le projet spatial c'est du tritium, sinon je me serais fait un kiff à lui bouffer le cul. Bah je pense que c'est bon les amis. Ouais bah ça va, on l'a rushé plus vite. Merde, je m'attendais à ce que ce soit... Ah, on est quand même à une heure. Hein. On va arriver à une heure. Oh, le centre commercial, c'est vraiment... Je peux encore en gagner en plus. Quoi. Oh, c'est ouf. Les formes de vie peuvent être introduites 20% plus vite si une forme de vie identique est présente dans une zone climatique. Non. Nous, on joue spatial. D'ailleurs, je pense qu'on est bon. À un près. Donc non, on n'est pas bon. Est-ce qu'on va encore rajouter des océans? Alors, là, si je fais monter les océans, c'est la fin. De beaucoup de cases. Vraiment beaucoup. Il devait pas avoir de... Les océans étaient pas encore assez hauts à ce moment, je crois. C'est génial, c'est bizarre, j'ai pas tenté là... En océan, tout ça. Ouais, je me disais bien, forcément que j'ai loupé. Ah bah allez, ok pour commencer.
Là, on est bon. Et on est good, les amis. Mission ici. Félicitations, grâce aux efforts soutenus. Les étoiles sont désormais à notre portée. La solide infrastructure interplanétaire martienne est une rampe de lancement parfaite pour aller explorer au-delà de notre système solaire. Pluton, la lointaine Neptune et même la ceinture de Kuiper. Ça, je vous, je connais pas, ceinture de Kuiper. Kuiper ? Elles seront bientôt explorées par des astronautes martiens. Notre planète est un premier pas dans l'expansion cosmique de l'humanité. Et c'est grâce à elle que nous pourrons mettre le cap vers l'ultime frontière. Magnifique ! Ah, donc il y a encore des choses. Il parlait de nouveaux contenus et tout, nanana. Réserve génétique. Les actions des propagateurs de forme de vie possédées nécessitent 33% moins de temps. Oh, et quelques coopératives en machine. Plus 5 sciences par tour pour chaque duo de 1 habitant et 1 robot. On ne peut jouer qu'une seule fois par ville. École nautique martienne. Plus 4 soutiens par tour pour chaque lieu océanique possédé dans par cette ville. Oh, lieu océanique. Oh, ça fait de la science en plus. Ok. Eh bien, c'est un gros GG. Eh bien, je trouve... alors, c'était Ad... Attends, je me souviens plus du nom. C'était Ad, Aespera... quelque chose comme ça. Je la trouve très simple. Je conseillerais, moi, aux gens qui commencent Terraformers de faire bah, le scénario simple, à savoir la planète rouge attend. Et... Plutôt que de partir... voie rouge, c'est pas très compliqué non plus. Faites la planète rouge vous attend. La voie rouge. Alors, voie verte, non. Faites... Alors, c'est Per Aespera Ad Astra. D'ailleurs, ça doit être la voie des étoiles, j'imagine, en latin. Quelque chose comme ça. Et... ouais. Vraiment, voie verte, c'est le plus dur actuellement. Voie bleue, ça va. Voie rouge, c'est presque aussi simple que la planète rouge vous attend. J'ai pas encore testé Planète Scientifique et Expansionniste, mais Expansionniste, ça avait l'air d'être sympa aussi. Et Scientifique, c'est particulier. Ok, les amis, ben, j'espère que cette vidéo et cette petite session de stream vous aura plu sur Terraformers. C'est la chaîne de fer, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite évidemment un bon appétit. Allez, tchou tchou à la prochaine, la grosse bise.